Salut, salut. Bon, aujourd'hui nous sommes dimanche. Hier on a vu qu'on a fait un petit peu la fête, ça fait du bien, c'était sympa. Lola, c'est éclaté. Et là ce matin je suis partie chercher des oranges, j'espère que c'est ouvert, pour nous faire des petits jus d'orange frais. Et puis le café en bas de chez nous aussi, parce que c'est vrai que si je peux avoir mon petit café le matin. Voilà. Et alors c'est bizarre parce que c'est la première fois en une semaine que je vois la ville aussi calme. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, oh, c'est impressionnant. Donc voilà, donc je pense que les gens ont bien fait la fête hier. Donc c'était la fête, fête de la bière, je crois. Et là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de dormir. Donc voilà. Donc ce matin, nous, ce qu'on va faire, c'est que donc on prend le petit déjeuner, on se prépare et on va visiter la ville. Voilà, on va vraiment visiter la ville cette fois. On va s'équiper et puis c'est parti. Bon ben ça y est, nous voilà partis, t'as regardé, hop, nous voilà partis à la découverte de la Laguna. Donc ben, on vous montre ça tout de suite en vidéo. Ça y est, nous venons de trouver le marché. Ouais, c'est une grande place, c'est super sympa ici. Ouais. Hein. Regardez, vous voyez, on a les filles qui sont excitées derrière, là, s'éclatent. Marina va faire le tour là de la place. Alors, je suis désolée, j'ai trop de soleil. C'est dur la vie. Facile. C'est assez compliqué la vie. Regardez-moi cette grande place. Il y a quand même largement de quoi faire. Et là, on va découvrir le marché de la Laguna.
fait le tour du marché. On va pas faire tour complet de la ville aujourd'hui parce que les filles sont fatiguées et c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, moi je reviendrai demain pour le faire. On vous a montré un petit peu quelques boutiques qu'il y a. Bon, là, on vient d'acheter du pain dans une petite boulangerie. On vous en dira des nouvelles. En tout cas, ça donnait vraiment envie. Il y a plein de petits restos, terrasses, des boutiques que vous avez vues. Et il y a un peu tout. Hein. Vous avez de Bershka jusqu'à la petite boutique classique du coin. Enfin, on trouve vraiment de tout. Pas mal de produits naturels. Donc ça, c'est super cool. Enfin voilà, je continue de vous faire le tour de toute façon et puis j'espère vous donner envie de venir parce que nous on n'avait entendu que du bien. Et pour tout vous dire, ben, on confirme, c'est vraiment super super joli, c'est super agréable, c'est coloré. Enfin franchement, venez à la Laguna sans problème. Avec nous les premiers pas dans cette superbe ville de San Cristobal de la Laguna. Honnêtement, c'est quand même une ville que je recommande, j'ai déjà dit et je le redirai encore pas mal de fois parce que mis à part le climat qui est un peu frisqué pour nous, disons qu'on ne part pas de France pour aller à la Laguna parce qu'il fait un petit peu froid et qu'il pleut beaucoup, surtout l'hiver. Mais honnêtement, non, allez-y, c'est vraiment une ville qui vaut le coup. Donc là, vous avez vu le début, vous avez vu le grand marché municipal qui est absolument superbe et surtout qui est très agréable à faire. Et ben moi, de toute façon, j'ai continué la visite et j'ai d'ailleurs pas fini. Vous voyez, on a déjà redéménagé Santa Cruz et il me reste encore à faire là-bas. Mais en tout cas, ne zappez pas les autres vidéos parce que vous avez la suite. Vous allez voir, ça regorge de petites pépites, cette ville. Et je vous la reconseille vraiment, vraiment, vraiment fortement. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager, commenter. Et puis surtout, surtout, n'oubliez pas, choose your life.